Retour pour G-Rex contre Fnatic. Voilà, on va entamer. Mais non, on n'entame même pas les matchs retour. Fnatic n'a pas encore joué contre G-Rex. Fnatic est pour l'instant à 1-1. Voilà, mettre un taquet. C'est l'Europe. Hein. C'est comme G2, mettre un taquet aux Coréens, mettre un taquet aux Taïwanais pour ensuite se faire manger par les Vietnamiens. J'avoue que c'est un petit peu l'espoir que j'ai fondé sur ce match, puisque c'est un petit peu mon pronostic de la folie. T'as misé sur G-Rex ? J'ai misé sur G-Rex. Un fou furieux. Ouais. Alors, il y a très très peu de chances que ce prono se réalise. Mais voilà, à l'image de ce qu'on fait les G2, je me suis dit pourquoi pas Fnatic faire la même chose. En fait, la très grande différence, je pense que Fnatic, si tu leur mets pas un peu de pression qui les pousse à faire quelques erreurs, ou si mécaniquement tu n'es pas très bon, ce qui leur a coûté cher contre Invictus Gaming avec ce choix étrange de Swain. Ouais, le Swain était bizarre. Qui a pas fonctionné avec Broxah qui était pas au top. Mais pour les coups, le G-Rex, c'est propre. Pas une mauvaise équipe, c'est plutôt une bonne équipe qui ont mérité leur place, qui est passée par le play-in. Mais c'est une équipe qui joue de façon extrêmement conventionnelle, sans vraiment de surprise. C'est un peu comme des mini Flash Wolves. Parce que les Flash Wolves, ils ont appris avec le temps, avec l'expérience, la polyvalence, l'agressivité. Mais c'est les Flash Wolves, il y a deux ans, trois ans, quatre ans peut-être, les Flash Wolves du Baron Dancing, qui reste une demi-heure avec une compo de Jean à essayer de poke jusqu'au moment où ils ont une ouverture parce que ils ont du mal à avancer sur la carte. Et je suis pas sûr, en fait, même si c'est une bonne équipe, qu'ils aient les capacités, de par leur style de jeu, à mettre en difficulté les Fnatic. En tout cas, c'est un avis personnel. Ouais, je suis assez d'accord, surtout que, en fait, pour moi, la grosse force des G-Rex, c'est notamment leur botlane avec Stitch qui reste quand même un AD carry de grande classe. Malheureusement, en face de lui, il y aura Reckless qui reste aussi peut-être un des meilleurs AD carry de la compétition. Donc, est-ce qu'on est vraiment capable de mettre Stitch sur une situation où il est vraiment capable d'aller carry la partie? Ça me semble délicat, en tout cas, pas en battant Reckless. Et c'est Bouipo hein, qui est aligné pour Fnatic. Voilà, avec Soaz qui a lâché un petit tweet hier en disant « Alors, on va mettre fin à cette rivalité au niveau des fans Bouipo-Soaz. » Voilà, on va tous être derrière Bouipo, on va tous l'encourager parce que notre équipe fonctionne mieux comme ça et parce qu'on a parfaitement confiance en lui. Donc tous derrière Bouipo, Fnatic, Win. Donc voilà, hein, c'est vraiment l'esprit d'équipe est prôné, notamment par Soaz. Et on va voir justement dans quel contexte on va mettre Bouipo. Voilà, c'est un match qui sur le papier est peut-être un peu plus simple que les autres. En tout cas, côté Fnatic, je pense que G-Rex c'est vraiment l'équipe qui normalement sur le papier censé leur poser le moins de soucis. Oui. Donc dans cette ambiance là on pourrait essayer de mettre Bouipo un peu plus sur des carry, un peu plus sur du Urgot, un peu plus sur du Aatrox potentiellement. On a vu des Camille aussi. Voilà, on sait que Soaz c'est peut-être un des meilleurs joueurs de tank au top du monde. Ouais. Donc mettre Bouipo pour lui mettre un tank, c'est pas forcément pertinent. Donc on attend les Fnatic dans ce registre là d'une top lane un peu plus agressive. Surtout qu'on sait que PK il a ultra spam notion, donc tant qu'à faire tu peux aller chercher quelque chose comme une Camille, comme une Irelia typiquement sur Bouipo, histoire d'avoir un speed pusher très très fort. Quand on sait aussi, quand on connaît évidemment la qualité mécanique de Caps, on peut totalement du côté des Fnatic jouer sur du 1-3-1 face à une équipe G-Rex qui va être plutôt attentiste, tu en parlais. Peut-être qu'effectivement le 1-3-1 pour mettre le rythme nécessaire pourrait permettre aux Fnatic d'aller chercher une victoire. Victoire qui pourrait être efficace. Non ban. Pyke non ban pour la première fois dans ces Worlds contre Fnatic. Pyke a toujours été ban. On sait que c'est un des mains de Illisang.
Pas dit que ça sorte, mais c'est une piste à développer. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs pour aller chercher la pression justement de la botlane des Fnatic. Pyke est un champion qui est là justement pour mettre un petit peu de rythme sur la botlane. En général, on va le mettre avec un AD carry qui est capable d'être suffisamment indépendant pour pouvoir farmer tranquillement en lane. Ce que Rekkles aime particulièrement faire en plus pour le coup. Par pour contre, avoir cherché du roaming. Kai'Sa, il y a Tahm Kench qui est ouvert. Attention peut-être ne pas laisser Kai'Sa Tahm Kench. Ce qui pourrait être dangereux après. Pas forcément non plus la plus grosse pression de lane, surtout si on veut aller contrer un petit peu ça du Varus par exemple. Varus Spike. Varus Spike, ça peut être très très dangereux. Et Bouipo qui devrait récupérer sur un tank. Un orange, finalement. Un tank assez rapidement. Bon bah je suis curieux. Du coup, brome obligatoire. On va faire jouer Bouipo dans le même registre que Soaz. Ouais, enfin, il me semble que ce serait du coup un brome obligatoire pour les Fnatic. Sinon, ça voudrait dire qu'on laisse le brome face au horn, ce qui limite quand même énormément le potentiel d'engage du pick. Ouais. Bon, c'est safe, c'est classique, c'est efficace, beaucoup de contrôle pour du teamfight, mais ça donne une première orientation de la draft Fnatic. Ouais, faut se méfier quand même du côté Fnatic. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop en train de se glisser justement dans le style de jeu des G-Rex? Même si c'est pas forcément l'équipe qui est la plus surprenante, ça aurait quand même tendance à vite tourner au drame si on les laisse trop jouer en fait leur jeu. Avec un Thresh, le Tahm Kench reste open. Ah et bah du coup il sera pas joué je pense dans cette game. Du coup oui. Ah je me demande si je préférerais pas le Tahm Kench, tu vois, typiquement avec cette Kai'Sa, histoire de vraiment assurer à Stitch une phase de lane ultra safe. Alors effectivement c'est vrai que Thresh a peut-être un peu plus de présence face à Brome. Il peut avoir un Tahm Kench qui reste quand même un sacré point mort. Tahm Kench contre Brome Horn, tu peux avoir beaucoup de mal à oui. Sauver ton ADC. Chaîne très bien sur le top side, hein. ça tient très bien à Horn avec ses zones anti-auto. Et ça assure un cross map ultra puissant du côté des G-Rex pour le moment. A voir si Fnatic va jouer autour de ça. On pourrait voir un Nocturne par exemple qui pourrait pop entre les mains de Broxah. Qui est peut-être l'une des meilleures réponses avec son ultimate contre les cross maps. Et la deuxième civière de ce tournoi, la première était jouée par Uzi chez Royal Never Give Up et ce sera Rekkles. On sait que c'est un champion qui l'a spammé, c'est un des gros champions de Rekkles, le Azir Civir Fnatic qui amène ouais. Les games jusqu'à 90 minutes de jeu avec belle... un pintade Rekkles pour finir généralement. Ah, c'est vrai que Rekkles quand il joue sur des carries à base de critiques qui sont efficaces à 4 items, et bah à 4 items il va chercher du pentakill assez facilement. Ça banne Syndra alors que c'est une Syndra blind. Ouais je suis étonnant parce que Caps en plus a de très bonnes solutions contre Syndra. Alors certes il n'aura pas la IRL disponible, mais il y a toujours des champions comme Echo par exemple qui peut être disponible, qui peut être intéressant. On l'a pas vu dans ce registre. Pas encore, c'est vrai. Viz aussi qui peut être une réponse intéressante. Et le Skarner de Ban dans la jungle, Skarner qui a un pic qui était ultra plébiscité en Europe et qui est un peu boudé d'ailleurs par les autres régions, alors que je pense que ça reste un pic très fort. Alors certes, ça a la grosse faiblesse de perdre son matchup face à Olaf qui reste le jungler, un des junglers les plus plébiscités. Maintenant évidemment c'est un champion qui, un peu à l'image de Malzahar, force 1300 gold sur certaines cibles clés. Surtout quand t'as pas de Tahm Kench pour te protéger. Alors, quel choix de la jungle pour Fnatic? Bonjour, c'est Olaf. Qu'est-ce qu'il empêcherait Olaf? Pas grand chose, après qu'il raid est open. On veut vraiment jouer du fight avec une grosse frontlane autour de Rekkles. On a cette civière, on peut jouer tout le monde autour de Rekkles. On pourrait même voir Cap sur une Lulu, tac. Même si personne n'y croit. Je sais pas si c'est exactement ce qu'on a envie de voir dans la parlée Fnatic, mais ce serait possible, c'est vrai. Maintenant, dans la jungle. Ah, je pense que l'Olaf est pas mal, honnêtement, vu la composition des. Et Fnatic, évidemment, un Olaf projeté par une civière, ça fait toujours plaisir, ça permet de courir vraiment très très vite avec l'engage du Horn pour lui permettre d'arriver au corps à corps. Ça pourrait faire les affaires des Fnatic. Et si on veut vraiment jouer sur du gros teamfight où on protège la civière, peut-être qu'un Gragas qui pourrait se tourner d'ailleurs sur un Gragas plus orienté tanking, ça pourrait être une solution aussi. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique au niveau de la draft, à mon avis, qui doit être en train d'être remake au moment où on parle. On n'aura pas les réponses à nos questions dans les médias. Ça nous laisse le temps un petit peu de... Ah d'accord, le ban Galio est en fait un ban Olaf. D'accord. Voilà, d'accord. Ouais, donc on voulait vraiment empêcher ce Olaf du coup de ouais, d'agir. Ce qui est un peu plus logique. Après, c'est vrai que
Le ban Galio contre Caps. Oui. Là, tu fais bon, pourquoi pas, mais. En fait, le ban Galio, je trouve qu'il avait du sens parce que tu veux jouer Shen et du coup, tu veux peut-être conserver un crossbap plus fort de ton côté et du coup, tu veux empêcher le Galio. Mais je trouve que le ban Olaf a plus de sens puisque justement, tu veux empêcher au broad shadow. Je vois pas trop à quel moment Caps en red side prend un Galio en counter pick de oui. quoi que ce soit. Je suis d'accord. A priori, non. Sinon, tu le piques avant ton Galio et tu vas faire autre chose ouais. Pour donner une prio ailleurs. Hein, peut-être justement pour Whippo, pour lui mettre sur un match-up carry et prendre ton last pick sur la top lane. Mais à partir du moment où on a lock le Horn en first pick, normalement, le last, il est pour Caps vu que c'est l'homme en plus à jouer en ce moment de Fnatic. Donc, voilà. Et ça supprime ce choix de jungler extrêmement fort. D'où derrière le ban de Skarner oui. en réaction. Et du coup, peut-être que ce ban Skarner sera plus présent, puisqu'on a ban le Olaf. Sachant que les Fnatic ont le first pick. Je ne sais pas si ça a changé beaucoup de choses dans le choix des Fnatic, mais ça pourrait vraiment intercéder. Non, il y aura quand même le ban du Skarner. Donc ouais, effectivement, la réponse du Olaf. C'est vrai que c'est dans ce sens-là, je me suis un petit peu embrouillé. Effectivement, beaucoup, beaucoup de sens. Et alors du coup, Gragas potentiellement d'open pour vraiment aller chercher une frontline supplémentaire et appuyer sur le DPS de la civière de Reckless. Ou alors une Kindred, histoire d'avoir peut-être un peu plus de peps en tout début de partie, avec un second carry. Ce qui peut être intéressant puisque Kindred a l'avantage de spike un peu plus tôt que la civière. Et on va masquer le pick dans la jungle assez longtemps du côté fatigue puisque Caps va toucher son Ryze dans les médias, en blind d'ailleurs. Il va laisser l'opportunité au G-Rex. Alors, le Galio n'a pas vraiment au Skyline un Ryze. Il est plus là pour appuyer du coup, pour le coup sur un énorme cross-map. Du coup, il gagne un dernier pick pour la jungle. Il y a un pick particulier pour Broxa. Un tank, ils ont déjà un Ryze, une Sivir, ils ont déjà les dégâts, ils ont déjà de quoi tenir. Bon, ça peut être une Kindred, hein, bien sûr. Je pencherais plus pour quelque chose de type Gragas pour aller accompagner un peu. Contre une Camille, ça aurait beaucoup de sens. Et limite, même une Sejuani me ferait plaisir. Ouais, alors, on serait vraiment dans la Bromuani à l'ancienne, avec une Sylvia derrière. La bonne compo de Teamfight, comme on la connaît. Et contre Camille, ouais, je pense que le Gragas c'est une bonne idée. La Poppy Jungle me ferait plaisir aussi. Poppy pourrait être une bonne solution. Et le Nunu, on en a parlé, c'est marrant, en regardant les games avec Duke et Zaboutine. On se disait, c'est vrai que c'est peut-être le seul reward qu'on l'a pas vu. Oh, le Lee Sin de Broxa. Ok, alors c'est assez engageant quand même pour Broxa. Parce que bon, on est toujours dans la situation évidemment où c'est le premier jungler qui voit l'autre. Le premier jungler qui force l'autre à faire échec, qui va l'emporter dans le duel. C'est encore plus vrai qu'un Lee Sin. Ouais. Pour le coup. Avec Camille, il y a quand même pas mal d'options intéressantes contre Lee Sin, il va falloir se méfier du côté de Broxa. Par contre, avec ce jungler un peu plus agressif, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher de la pression? Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités en fait, de kill. On a une civière qui met un peu de temps à se mettre en place. Alors certes, on a le push sur toutes les lanes. Hein. On a le push, exactement. Mais on n'a pas forcément d'opportunités de kill qui peuvent être intéressantes. C'est compliqué d'aller chercher une Kai'Sa avec une civière et un Braum. C'est-à-dire, le match-up purement lane par lane, il n'y a pas de possibilité de kill parce que le Horn va pas aller prendre son kill dans un duel de tank. Ryze, il va pas aller chercher tuer un Galio, pareil pour le Kai'Sa Thresh. Par contre, toutes les lignes push au moins aussi pour la mid lane sur les débuts de partie. Et donc, on a un Lee Sin normalement qui peut gank à peu près où il le désire, qui peut aussi aller chercher la Camille, qui peut aller récupérer les carapateurs, qui peut récupérer toute la vision. Donc, normalement, je vois un early game des Fnatic. Où ils peuvent pas se faire surprendre et où Broxa a beaucoup d'opportunités et de possibilités. J'aime bien le pick de Lee Sin. Ouais, ça va être très intéressant de suivre l'évolution des junglers en tout début de partie. Je me pose justement la question de voir si Broxa va être plutôt dans une orientation gank pour vraiment essayer d'appuyer sur ces lanes qui ont déjà la prio, ou est-ce que même il va laisser déranger la Camille dans une situation de counter jungle. Ce qui semble quand même un peu plus dangereux, mais peut-être qu'il pourrait complètement briser en fait la position de jeu du G-Rex, qui compte quand même beaucoup sur MT pour compenser un peu la faiblesse de la lane. C'est pas Fnatic. Ouais. Les fans Fnatic jusqu'en Corée. Je pensais pour Fnatic.
Donc une petite pause technique, j'ai l'impression. De nouveau du côté de Illisang. Il a avoir quelques problèmes. En tout cas, la dernier match aller des Fnatic pour l'instant à 1-1. Après, eh bien, une victoire. Contre victoire des Fnatic, c'était contre Moment de trou. C'était contre les Thieves. Les Thieves, bien sûr. Et la défaite, contre Invictus Gaming. Alors, avec un petit cheese de Broxa qui a la vision sur Stitch. Il y sent qu'il est derrière pour mettre une marque. Ça me semble compliqué quand même d'aller chercher Stitch. Donc il a au pire des cas, il a un Thresh. Alors certes, forcer la lanterne niveau 1 du Thresh, ça permet de vraiment nullifier tout la présence même du pic sur les trois premiers niveaux. Ils les ont suivis. Hein. Si jamais il y a une tentative de ward ou quoi que ce soit, complètement prêt. Les Fnatic. J'aime bien ce que font les Jirax, honnêtement, la réaction est bonne. Mais ils vont y aller à 3, Pas de grab pour Koala. Je sais pas s'il a pas pris son flay. C'est probable normalement. J'ai eu l'impression que l'autre attaque faisait vraiment pas mal de dégâts, donc je pense qu'il allait chercher le flay. Ah non, il a pas pris de sort du tout. C'était juste l'autre attaque de base du champion. D'accord. Autant pour moi. On va partir au raid avec un petit leash de Bupo. Le gentleman agreement sur la top lane. Avec des points de l'immortel. Ouais, au top, tu auras pas énormément de mouvement à mon avis. Non. Parce que même si les junglers interviennent, ça va pas forcément générer des choses vraiment changeantes. Il y a chance qu'ils partent sur un full clear Broxa. Donc il a la formation, ils ont vu la ward se faire désactiver, donc ils savent très bien que MT est passé par là. La Camille qui va assez naturellement aller chercher des carapateurs, c'est un pic qui est souvent utilisé d'ailleurs pour ça. Et qui pourrait d'ailleurs peut-être aller limiter l'impact de Lee Sin. Maintenant, est-ce que tu veux aller chercher le blue buff d'un Lee Sin sans savoir forcément être sûr de son starter? Sachant que côté lane, pas forcément la priorité. Tu peux pas, je pense que tu peux pas, parce que normalement le Ryze, s'il veut push, il push. Alors ça brûle son mana en début de partie, mais il a une téléportation pour compenser tout ça. Au bot avec une Sylvia, ça push. Donc si tu y vas, faut être prêt à faire un pari 50-50 que tu vas pas te faire découper. Ouais. Et perdre 30 secondes pour rien. Et voilà, ce ne sera même pas tenté, même avec l'information sur Broxa. Ouais, le pari, ils ont eu l'information que maintenant. Que Broxa était encore topside sur ce carapateur, c'était scouté. Du coup, pas de problème du côté d'Empty qui va tranquillement finir son chemin de jungle. Moi, je me fie quand même, Wipo. Il y a des dégâts sur le chaîne, sur le tout premier niveau. C'est un pick qui a quand même un très bon kit pour duel. Là, tu peux vraiment empêcher l'auto de stun en fait. Oui. C'est ça qui est très très intéressant dans ce match-up. Après, jusqu'au cap solaire ou Tiamat, t'as vraiment pas le push. C'est aussi la faiblesse de chaîne. Mais je pense que de toute façon, on l'aura compris. Hein. C'est la compo d'Edgirex, c'est un engage Camille Galio et avec un chaîne qui est là pour backup soit la Camille, soit la Kai'Sa. Avec le Thresh en disengage, ils ont une très grosse compo de teamfight, ils ont une très grosse compo de scaling. Par contre, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. C'est le problème, il faut attendre que la Sylvia de Reckless soit en capacité de mettre des dégâts. Là où du côté de Stitch, bien évidemment, on a une Kai'Sa, donc c'est un champion qui fait mal à peu près à tous les stats du jeu. L'avantage de Sylvia contre la compo direct, c'est que tu tapes sur n'importe qui, de toute façon tu mettrais des dégâts sur toute l'équipe. Oui, il y a énormément de joueurs mêlés ou en tout cas à très courte range du côté des directs. Et du coup les ricochets vont toucher à peu près n'importe qui. C'est très bon Sylvia contre les tanks, c'est du crit, c'est du ricochet pendant qu'on a le dive sur la top lane, sur Bwipo, la téléportation instantanée de cap, la très bonne temporisation de Bwipo, la catastrophe, le flash-in de Bwipo sur PK, et Caps pour son first blood peut-être, le flash-in de Caps et l'auto. PK peut-il s'enfuir? Et il semblerait que oui. Aïe aïe aïe, ce dive qui se retourne complètement contre les Jirex. Ils sont peut-être un peu précipités. Alors l'avantage quand même, malgré tous ces conforts, le TP de Caps. Donc on prend pas mal de pression au niveau de la mid lane, qui touche une vague complète hein, qui est perdue par Caps. Et du coup il aura pas forcément son back, l'arme de la DS aussitôt qu'il l'aurait souhaité. Par contre en termes d'apport en gold, c'est catastrophique pour les Jirex. Surtout que Bwipo joue parfaitement le coup. Bah il met un double stun sous la tour. Ouais, le double bump sous tour change tout. Ils ont pas fait craquer les cooldowns. Hop. Et là il est impérial dans sa défense. Le flash in pour l'auto. Il n'y a rien à dire. Et il est large, hein. C'est même pas comme s'il avait été prêt de le tuer.
Même en 2 contre 1, même s'il n'y a pas cette téléportation de Caps, je pense que ça ne passe pas comme dive. Ça force le flash out, le camp qui devrait passer. La téléportation, cette fois-ci, c'est Bouipo sur le bon side qui va essayer de couper la retraite. Il ne cancel pas, les dégâts sont positionnés. Candidon la tourmente, le goï de Broxar. Et encore du ki, les directs ne respectent rien. C'est pas fini, Kola qui pourrait tomber sous les coups de Reclassique finalement. Bouipo qui va prendre, c'est que l'on va continuer sous tour. Encore une fois, c'était un peu dive. Un peu compliqué Tech. Et reste encore Caps, la cage de Caps, qui se met le flash out de Stitch. Et ce sera encore une escarmouche très largement emportée par Fnatic. Oh, ça qui touche le Q-Spell qui permet d'aller prendre un kill supplémentaire. On est maintenant à 5 kills à 1. Avantage pour les Fnatic qui vont chercher de l'autre play en masse contre les G-Rex. Ils respectent rien sur les timings de téléportation, les G-Rex. Ils n'ont pas respecté qu'il y avait un Bouipo avec encore sa TP qui avait fait le choix de revenir à pied en lane. Et pourtant ils vont chercher tellement deep ce dive, les Fnatic. Je pense que c'était peut-être le re-engage un peu trop ballsy, mais... C'est plus ou moins ce qui aurait pu se passer à la game précédente si Afromou et Eric Aram s'étaient entendus sur leur flash out. Exactement. Voilà, parce que là on imagine la même scène avec Reckless qui se prend le grab destiné à Illisang et c'est pas la même. Oui, je pense qu'effectivement c'est plus compliqué d'aller chercher le dive derrière. Ah, Fnatic, bah c'est ça la différence évidemment entre les grandes équipes et les très grandes équipes. Il y a ce petit détail mécanique. C'est toute la différence. On va voir l'action. La grosse différence ici, c'est Reckless flash très tôt. Ils savent que Lee Sin n'est pas au top, ils ont la vision. Il est en train de faire son back, ils vont un peu trop tôt. Il y a le Horn qui a sa téléportation directement au spawn sur un bon timing. Ah, c'est très compliqué comme dive, c'est très très compliqué comme tentative pour les G-Rex. Ouais, Broxar qui est à l'heure, c'est surtout Broxar qui touche les ondes sonores. Ah, et Bouipo, voilà, bah, Bouipo qui rassure. Les premiers words de Bouipo qui fait un excellent début de performance. Ouais. Il tente beaucoup de coups de tour, mais je pense que c'est surtout pour permettre à son équipe d'aller plus loin. Il fait peut-être le pas de trop, mais bon, le move est tellement... archi rentable. Ouais, bon, il s'en va un petit peu, mais. Il utilise son TP, donc il arrivera un peu tardivement en lane. Donc c'est vrai qu'il perd une partie de son farm malgré tout. Ça peut être dangereux face à un chaîne qui a déjà terminé son Tiamat. On va perdre un peu de contrôle des waves pour le moment, mais c'est pas très grave parce qu'au pire des cas, il y a une civière. C'est-à-dire que le wave clear, il sera assuré du côté des Fnatic. Donc il on peut laisser. Voilà, c'est ça. Il aura tout de même son engage avec son truc de la forge. C'est ce qu'on demande à un Horn. Hein. Il pourra tout de même être parfaitement utile pour son équipe. 2000 gold d'avance pour les Fnatic. Broxa peut-être pour un gang sur la mid lane. Je pense que c'est plus en couverture de caps, voilà, pour un éventuel décalage. On a le portail transdimensionnel, on pourrait avoir un dive de nouveau sur le bot side. On décide de partir au dragon, plutôt dragon des océans à 8 minutes. Extrêmement rentable. Avec un 6 niveau 6, on est très très bien en termes d'XP du côté de Broxa. Un peu de retard par contre du côté d'Elti malheureusement. Et ce dragon qui va encore plus faciliter déjà le travail de Bouipo sur la top lane qui lui va pouvoir sustain assez naturellement. Déjà parce que c'est un Horn donc il peut build facilement les cactivers de ce genre de choses pour rester en lane et en plus avec ce dragon rester en vie. Donc il va un peu moins souffrir du matchup face à un champion qui n'a pas de mana. Oh il l'a pas vu. Il l'a pas vu, il voit le décalage de casse, c'est déjà trop tard, le Q-Spell qui touche, le portail transdimensionnel, Stitch sous la tour, il sent Calagro qui devrait tomber, ce sera tout de même du 2 pour 1 avec le backup, PK qui s'est fait interrompre son ultimate par Bouipo qui s'est mis en danger pour ça, qui devrait chercher un back, il a pas son flash, faut qu'il soit prudent Bouipo. Et il peut. Est-ce qu'il peut back? C'est compliqué de back dans ces conditions. Il faut au moins qu'il désintègre le sbire canon avant de partir. Ouais, ce serait bien effectivement de pouvoir empêcher ce mec de sbire de mettre trop de pression sur la tour. Après ça va, il a récupéré quelques points de vie. Il sait très bien son timing de flash. Et synchronisé avec celui du chêne. Mais voilà. Pas de risque d'autre play de la part de PK. Et on va pouvoir back du côté de Bouipo. Il va perdre un peu, s'il va se faire repush tout de même. Il est vraiment au service de son équipe pour le moment. C'est ça, complètement. Ah, ils arrivent trop tard, c'est pas de chance là du coup pour MT hein, qui a pas vu passer Broxa. Il y sent qu'il a tanké la totalité des dégâts de la tour. Mais Fnatic qui enchaîne, qui avance dans sa game, 3000 gold maintenant. 4 kills pour Broxa, quelle proactivité avec son Lee Sin. Et encore je pense qu'il s'en veut un petit peu sur le 4ème, il aurait bien aimé le laisser à Reckless. Malheureusement ça se joue à pas grand chose, on était sous tour, il fallait quand même rapidement prendre le kill. Tu peux pas te permettre d'attendre que ton Décari recharge ton auto-attaque. Et du coup c'est un Reckless qui se retrouve, alors certes beaucoup d'aides apportées par son équipe, mais 5 assistances. On aurait aimé avoir 5 kills du côté de la civière, histoire d'accélérer un petit peu ce timing un peu lent du troisième item. Il est pas trop mal non plus. Hein. Ça va. Kill, 5 assists.
Il a 26 d'avance. Pense qu'il va voir sa lame de la tempête, peut-être un peu plus tôt que Stitch. Oui, très clairement. Et maintenant le map control des JS, mais il faut le reposer, il faut le renouveler. On a un map control défensif à base de Pink Ward face aux agressions de Broxah. Le problème c'est que Broxah avec son 4-0-2, il y a un Lee Sin qui est très très bien dans la partie, qui va être difficile à gérer. Mais c'est le problème, hein, c'est que les Fnatic ont trop le push sur les lignes. Sauf oui, peut-être au top maintenant, au Bwipo c'est vraiment sacrifié. Mais le push au bot, le push au mid font que Ekaps et Broxah décalent en permanence et que les JX ne peuvent pas suivre. Et c'était là où il était intéressant ce Lee Sin, vu la force en ligne de Fnatic, il le joue très très bien. C'est plus ou moins ce qu'on aurait pu attendre de la game des Dread Thieves. Exactement ce qu'on attendait de la part des Thieves. Je l'en travers de la gorge, hein, celle-là. Ah, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. C'était pas forcément la meilleure performance de l'équipe qui entend là-dessus. Par contre, le go-in directement sur Cordy qui ne prendra pas le kick de Broxah grâce à son flash. C'est suffisant. Une belle prise de guerre. Ça permet à Caps de push. De toute façon, MT ne peut absolument pas contester le 1 contre 1 avec le Warrior de Broxah qui est terminé. MT, on a la formation. Il va nous contrôler un peu l'espace. Il y a un ulti Galio, il n'y a pas l'ulti chaîne. Et une stopwatch du côté de MT. C'est pas le meilleur timing pour Fnatic. Là, le dash, tout de même, il est assez dangereux. Ouais, je pense que c'est dangereux, je suis assez d'accord avec toi. Faut pas se laisser avoir. Pour le moment, on a toujours réussi à éviter un petit peu les globos des JRX. Que ce soit en ayant beaucoup trop d'avance par rapport au Galio pour qu'il puisse intervenir à temps. Ou alors en cancelant les soutiens défectibles du chaîne. Grâce à la capacité de Bwipo à vraiment donner son corps pour son équipe. Il veut forcer Broxah, il veut forcer l'agression d'Ili Sang, la marque. Il manque encore un stack, le Q-Spec ne touchera pas, le décalage de Caps. Oh, Candy, il a une téléportation, on veut juste prendre la tour pour les Fnatic, ce sera sécurisé. Première tour de la partie. Il m'a fait peur quand même Candy, parce qu'il était sur un timing où il était en train d'appuyer sur back. Il voulait rentrer à la base, il a bien réagi quand même sur l'information que Caps était bot side. On va reprendre le push sur une lane, malheureusement un peu tardivement. Il a du mal à suivre. Après, je pense qu'il a aussi peur de suivre dans la jungle et de tomber face à Ryze et à Lee Sin qui l'attendent en 2 contre 1. Sachant qu'il a plus de flash, ce serait catastrophique. Parce que non seulement il meurt, mais en plus il n'empêche pas le dive au bot. Et du coup, on a un Galio qui n'arrive pas à bouger de sa mid lane. Ouais, mais forcément, parce que comme sa bot lane n'a pas l'avantage, on peut pas avoir un Koala qui peut se balader un petit peu dans la rivière bot side pour mettre quelques informations. Donc on a un Broxah qui est beaucoup plus libre de ses mouvements. Et du coup, c'est une espèce de menace comme ça, constante, qui plane au-dessus des JRX. Forcément, c'est un Lee Sin à 4-0-2. C'est un Lee Sin, on sait, qui est capable de beaucoup de dégâts. L'agression peut-être sur Koala, l'ultimate. C'est flashé. Encore un saut-bonheur de récupérer par les Fnatic. Qui ont décidé de faire leur swap, voilà, pour se focaliser sur la T1 au top. Il y a un héros de la faille à prendre dans la foulée. Bon, ça joue très bien pour les Fnatic. Voilà, ça se rassure après... cette défaite hier. Ouais. Qui ne saurait être vengé. Après, je pense que c'est fou à ce moment. Le kick de la part de Broxah est un peu précipité. Peut-être sur un petit qui a pensé positionner l'ultimate du chêne dans la mêlée avec le Galio en plus. On a oublié le Galio, on a oublié le Galio. Il y sent que sera le premier à tomber. Candy qui a réussi à intercepter Caps. Avec le taunt derrière, ils ont pris des risques, les Fnatic. Caps qui va essayer de disengage. Avec le portrait transdimensionnel, Bwipo, le flash out, le dash out en plus. Et il faut partir de ce bourbier maintenant. PK qui va essayer de tempo. Les Fnatic, ça pourrait être catastrophique de fight ici. Il ne faut pas rester. Caps, peut-être quelques dégâts, il peut pas se permettre d'avancer trop, on n'a pas la vision dans ce buisson. C'était un peu deep encore une fois de la part des Fnatic. Si le kick passe, mais... Ouais. Et après, heureusement que Caps a eu la présence d'esprit de trouver la cage sur Candy pour empêcher ce gars d'intervenir. Parce que sur ça, je pense que les Fnatic étaient perdus. Ils sont quand même très forts à ce niveau, je trouve, Fnatic, c'est qu'ils arrivent toujours à jouer autour des globos, des JRX, sans se faire surprendre. Alors que la force de collapse de l'équipe est quand même assez puissante. Ah, il a tenté. Ouais, il se commute un peu sur quoi là. Et heureusement, c'est vrai, heureusement qu'il y a cette cage. Enfin, il serait mort de toute façon, il semble. Non, s'il n'y avait pas moyen de collab sur Broxah sans la cage. Et du coup, le disengage est Fnatic. Un contre-temps, il n'y aura pas d'objectif sécurisé pendant ce temps-là pour les J-Reg, donc ça coûte pas si cher que ça. Mais attention, les Fnatic, à pas aller trop vite en besogne. Alors, il faut quand même garder à l'esprit qu'on est sur une composition à base de Ryze, à base de Sivir, ces champions qui ont besoin d'items pour scale, ils ont besoin de temps pour vraiment arriver à stack, notamment du côté du Ryze, tout le mana dont on a besoin.
Même si Stitch est parti sur un build AD avec cette lame de la tempête, donc cette lame de la tempête, pardon. Donc on n'a pas forcément le scaling aussi puissant que ça peut être sur un, sur de l'AP, qui a vraiment des timings très très forts très tôt. Malgré tout, je pense qu'on n'est pas forcément gagnant dans le 5v5 pur et dur. Il le retente, le grab qui touche, il peut pas y aller, voilà, voilà. Caps qui est juste derrière. On va aller récupérer ce boobuff. La carte appartient au Fnatic. Une deuxième tour sur le top side récupérée par Reckless. Il le stable Fnatic pour le moment. C'est un timing très fort pour eux puisqu'il n'y a pas d'ultimate sur le Galio, pas d'ultimate sur le Shen non plus. Donc toute la force de la coupure de J-Rex n'est pas encore utilisable. Ça leur permet de s'avancer et d'aller chercher finalement ce boobuff. Ça aurait été en deux temps, mais on aura quand même récupéré un peu de pression au niveau de cette jungle top side. C'est même beaucoup de retard qui commence à être accumulé là par les J-Rex. Hein. Timing gold de différence. Gold. Surtout sur la bot lane, hein. Avec un Reckless qui est extrêmement bien. Il y a un héros de la faille, on est qu'à 16 minutes de jeu à récupérer pour Fnatic. Maintenant qu'on a pris les tourelles extérieures. C'est vrai que 36 c'est quand même beaucoup. Si on compte en plus les 3 assistances de moins, pour Stitch on a un peu en difficulté, surtout qu'il a pas encore ses bots niveau 2. Et il y a un deuxième dragon des océans à récupérer. Là, ça a été ping, hein, ce héros de la faille. Et notamment la présence de Slicine, ça veut dire que Stitch est obligé de reculer sur le top side. Il va même faire son back. Je suis même pas sûr que les directs c'est vraiment les outils pour aller contester ce héros de la faille pour le moment. Je pense pas. Il y a trop de pression bas appuyé par le Ryze. Contrôle total de la mid lane. Et le Horn fait mal hein, pour tenir le push de l'hydre de PK. Il est parti sur le gantelet givrant. Et le flashing de Illicent, il y a ulti Camille, c'est combiné avec Galio, il y a Bouipo en interception qui va essayer de temporiser. Mais ça ne peut pas suivre des côtés des J-Rex, les Fnatic sont bien positionnés dans ce petit goulot d'étranglement. Et c'est des flash-out massifs pour les J-Rex, le héros de la faille sera sécurisé par Fnatic. Encore une fois, Fnatic qui est capable de prendre ce genre de fight de la meilleure des manières. On va bait tous les sorts J-Rex en essayant de garder la distance à chaque fois. Et c'est cette fois-ci Illicent qui a œuvré pour ça, puisqu'il a bait au maximum Candy, puis il a trouvé le flash juste avant de prendre le bump. C'était parfaitement exécuté, du coup on pourra récupérer sur le de la faille, push sur la mid lane et du complètement libérer le plan de jeu Fnatic qui a un 3-1 tout simplement délicat à gérer. Peut-être pas aussi dominant que ce que les G2 ont pu montrer sur les games précédentes. Ah, c'est sûr, c'est pas quel monde, mais bon, c'est un Ryze. Ça reste Ryze plus un Horn qui va bloquer quoi pour une lane. Évidemment, quand il y a la force de siège ici vient. Des océans, Bupo qui allait supprimer une tentative de style éventuelle. Et ça y est, la première phase de jeu des Fnatic est respectée. Toutes les tourelles de la première rangée ont été supprimées. On a récupéré de la faille, on a récupéré les deux dragons. Bien au kill, bien au gold. J'ai presque envie de dire à ce rythme là, Reckless peut être un peu triste, puisque lui il aura même pas le temps de jouer, que la game pourrait potentiellement être déjà déterminée pour les Fnatic. Et c'est très bien ce qu'ils arrivent à sortir. C'est ce qu'on attendait d'eux face à des J-Rex qui n'ont pas forcément une équipe menaçante. Bah non, c'est le problème de J-Rex, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre de la pression. Et on le voit, là ils jouent beaucoup en contre, alors c'est aussi la compo qui fait ça. Oui. Ils jouent beaucoup en contre, mais malheureusement, bah, ça laisse aux Fnatic tellement de loisirs d'accomplir leur stratégie. Faut voir, est-ce que du côté des J-Rex, on a les options pour essayer de justement mettre les Fnatic en situation un peu délicate? Ah là, maintenant tout de suite. Un peu compliqué quand même. On voit pas trop. Il n'y a pas le push. Pas la vision. Est-ce qu'ils peuvent essayer de dot smart peut-être la mid lane là où Reckless va être bloqué un bon moment pour essayer d'accumuler des vagues de sbires? La meilleure tempo, je dirais que c'est grâce à la Camille d'aller punir le Ryze qui fait du speed push. À la rigueur, oui. Je dirais que c'est peut-être la seule chose et temporiser comme ça en faisant perdre du temps au Fnatic en punissant ce Ryze. Ça reste compliqué à effectuer. Il y a peu d'occasions, surtout si on est vigilant côté Caps. Voilà, qu'il y a un bon map control qui est assuré par les Fnatic et qu'on prend pas trop de risques. Il faut les voir bien dérouler la game. Il faut garder en tête qu'on est quasiment obligé de laisser le Galio sur la mid lane du côté de J-Rex pour bénéficier au maximum de la portée de son ultimate. Donc on se retrouve avec un Stitch qui est lui en side lane qui pourrait être face au Ryze. Donc des contrôles en moins tout simplement pour J-Rex. Ça veut dire que pour Caps, on peut toujours ultimate out. Et ça semble compliqué de trouver un cancel de ce genre de situation. Sauf si la Camille arrive à parfaitement gérer son hookshot et son ultimatum avec tech. Ah, normalement le Galio tu le mets au top parce qu'il n'y a pas grand chose à jouer. Normalement personne va jouer autour du bot side. C'est vrai. Avec un chaîne calpouge, donc le Galio tu le mets au top et Stitch tu le mets sur la mid lane et le Galio peut décaler. Avec la Camille justement qui fait cette navette pour s'assurer de la sécurité de tout le monde.
Ouais, ils sont peut-être forts aussi d'avoir un collapse d'Estatique au niveau du boss-up de Kerr, parce qu'en général, quand tu joues contre un chaîne, ça sert à rien d'aller essayer de lutter contre l'équipe qui a le speed push sur le chaîne, autant aller sur le chaîne directement et du coup neutraliser l'impact de son ultimate. C'est peut-être pour ça que ce Galio reste mid lane, pour potentiellement contrer ce genre de d'action d'Estatique, mais c'est pas du tout ce que l'Estatique ont tenté. Disons que comme ça, malheureusement, si ce Galio continue de ne pas être eh bien, sur une side lane, ils vont juste voilà, perdre de plus en plus de vision, de plus en plus de terrain. Et les Fnatic au bout d'un moment vont trouver le kill, vont trouver le gank. Toujours à l'agression au niveau de ce Blue Buff. Cette fois-ci par contre, on a les deux summoners, enfin les deux ultimates plutôt de crossback pour le T-Rex. Ça doit être un peu plus dangereux d'aller commit et les Fnatic en ont conscience, puisque après le reset du bleu, on va laisser le objectif se partir. L'avantage c'est qu'on du coup on le force sur MT qui doit être obligé de smite pour le sécuriser. Et donc il n'y a pas de blue buff sur Candy, donc un peu moins de force de wave clear sur cette mid lane. On est en train d'essayer de trouver un setup de 1-3-1 pour trouver le Nashor pour les Fnatic, pour mettre la pression. Voilà, le speed push de PK qui finit par payer et le kick de Broxa. On n'a pas trop vu le début de l'action. Il est important ce pick-up puisque forcément plus de smite en face, ça veut dire qu'on peut aller ouvrir le Nashor potentiellement du côté des Fnatic. Alors quand c'est le TP, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire du PK? Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant s'il arrive à TP derrière avec un ultime, mais il y a un dieu de la forge, est-ce qu'il a le temps? Il a ses cooldowns, normalement Bipo, il va avoir du mal, Candy, il a décalé, il va avoir du mal, il n'y a pas le smite, et on va aller au bout pour les Fnatic, on va aller au bout, l'ulti du Galio qui arrivera un petit peu tard, est-ce qu'on arrive à prendre du kill? Il y sang est très très low, il faut disengage, la téléportation qui va arriver de PK, le disengage pour un transdimensionnel de Ryze, et Broxa qui fait son chase sur Koala, on s'en tire plutôt pas mal pour les Fnatic. Ah, c'est ce qui va tomber sous les coups de cap, il a tenté d'aller le play. Le carry AD de J-Rex en essayant de contourner un petit peu la backlane statique pour trouver des dégâts sur Reckless. Malheureusement, c'était trop dangereux de se retrouver collé au Ryze. Il s'est fait surprendre juste après. Le call Fnatic est très bon et Bulpon, encore une fois, qui reste solide puisqu'il a réussi à cancel le soutien indéfectible de PK et ça change complètement la manière dont le fight évolue. Et ce sera la T2 qui sera récupérée par les Fnatic qui ne décide même pas à reset. Hein. Ils avancent. Ah, il y a 3 morts, on va en profiter. Voilà, pour aller récupérer le plus d'objectifs possible. On est déjà sur un en powerplay à 5000 gold. Alors, l'avantage pour les Jiri, c'est que PK, en forçant cette tour au niveau de la bot lane, a réussi à avoir un contrôle de lane bot side qui permet d'éviter que les Fnatic, juste avec ces 3 morts, puissent récupérer toutes les tours extérieures. On a au moins la T2 bot lane qui va rester en vie, autant qu'on puisse défendre. Juste le full burst. Right. Il n'a même pas besoin de se positionner sur sa ward. Il pouvait tout simplement le burst. Il y a Galio qui arrive, hein, tout de même, mais c'est déjà trop tard. On va faire un très très gros travail de la part des Lissang. Et on revoit le type de bouffe de Sitch. Il est content, Broxa. Hein. Quelle Lissine. 7-0-3. Ah, la dernière T2 qui sera supprimée par Fnatic. On est en défense. Sitch est un peu en retard, mais c'est pas très grave. Il va pouvoir back et revenir prendre sa base. Attends, on manque cruellement le web clear. Tu mets de la balle, tu veux le forcer? On accélère. Stitch, il a peine de revenir. Bipo pour le dieu de la forge. Est-ce qu'il pourra le réactiver? Il va tenter l'engage. Joli play de Koala. Ça lui coûtera la vie. Mais pas dieu de la forge. Il y stand carry avec un ulti. Bipo le flash out. Et Caps qui bourrit sur Candy. Caps qui fait des dégâts. Et il n'y a rien pour tenir tête aux Fnatic dans le teamfight de J-Rex. La fontaine qui peut permettre de sauver, je pense, le jungler des J-Rex. C'est une victoire Fnatic. Ils ont su forcer là où il fallait. Les directs sont restés. Oh, ils vont chercher peut-être. Pour un triplé. Bon. Pour un triplé, je me suis dit, attends, on n'a pas vu de Pinta. Non, c'est juste un triplé. Avec un TP Fontaine en sacrifiant Bipo. Et les Fnatic s'imposent, finissent leur match aller à 2-1. Avec une défaite de Cultus Gaming. Vainqueur contre les Sivs et les J-Rex. Qui se rassure, qui se positionne bien. Ouais, c'est une bonne chose pour les Fnatic, honnêtement. Les Européens, on a G2 à 2-1, Fnatic à 2-1. Très belle phase de poule de la part des Européens. Ouais, c'est un petit peu comme les NA qui faisaient l'année dernière, c'est-à-dire une première très bonne semaine. Attends, on peut espérer que les Européens vont continuer cette chance. Les Fnatic, ils étaient juste meilleurs. Oui. Voilà, c'était juste meilleur. Ils ont bien joué leur draft, bien joué leur condition de victoire.
Et les G-Rex, chaque tentative des G-Rex a été punie. Pas forcément timé au mieux aussi par rapport à Proxa, oui. Qui lui fait un early game irréprochable sur ce Lee Sin. Il une a bonne été, journée pour l'Europe. Clairement, clairement. Honnêtement, Proxa qui sort un Lee Sin de gala. Qui a, honnêtement, on pourrait lui donner l'homme du match, hein, pour être tout à fait honnête. Oui. Il a été partout en permanence, il a su voilà, mettre les éléments nécessaires pour aller déranger un petit peu les G-Rex. Et des G-Rex qui, malgré leur crosspack, n'ont jamais vraiment réussi à collapse en fait, pour créer du teamfight. Non, ben, ils ont joué un peu trop gros au top, et après ça a déséquilibré la carte. Au bot, ils ont tenté effectivement sur des mauvais timings d'agression ce bot side, et à ouais. partir de là, les Fnatic ont pris l'avantage et l'ont complètement snowball. Le jeu de TP des Fnatic était excellent. Hein, le dive au top à 2 contre 1 oui. contre ce horn était juste complètement raté. Même à 2 contre 1, il ne l'aurait pas passé, mais en plus, il y avait le backup de Broxa. Bref, une défaite complète de G-Rex qui nous met bien. Pour débriefer tout ça, on va aller rejoindre l'analyse desk avec Laure. C'est à toi. Merci beaucoup, Noah. Fnatic qui confirme ici et remonte la pente après la partie d'hier avec une victoire écrasante vraiment contre G-Rex ici. Je trouvais que la draft des G-Rex n'était pas mauvaise. Galio, Shen, Kai'Sa, généralement quand c'est bien mis en place, c'est assez dégueulasse comme combo. Mais contrairement à hier, on a eu un Broxa qui a été super proactif, qui a pris les devants dès le début de la partie et dive top, dive bot. J'ai l'impression que les G-Rex n'ont jamais pu s'en remonter. Bah, G-Rex, Fnatic, je pense que c'est une équipe qui va avoir des facilités assez manifestes contre des équipes un peu plus faibles. Parce que, en fait, contrairement à G2 qui aime les équipes très organisées pour déployer un jeu lent, etc., Fnatic aime le fight, aime le trade, aime le team fight. Donc, c'est sûr que, bien sûr, qu'on se dit, bon, Camille, Galio, tout ça, ça va être super bien. Mais Fnatic, c'est vraiment, tu vois, ça les fait rêver, quoi, d'avoir une équipe qui veut jouer comme ça. Et ils ont développé un style de jeu très agressif. J'aime beaucoup Speak Lee Sin, qui active une compo pure team fight. Et c'est vrai que, bah, finalement, t'as une civière contre une équipe, des joueurs qui se regroupent. T'as un Ryze qui peut plus ou moins dodge le fight, rentrer à la fin et finir les cibles esselées, ou alors, pareil, spread ses dégâts. Et ils avaient des lanes tout à fait stables. Donc, en fait, ils ont scale et ils ont joué leurs conditions de victoire contre une équipe qui, pour moi, n'est pas assez organisée pour tenir Fnatic de toute façon. Un petit suicide aussi, suicide. C'est le dive top était un peu suicidaire. Il a directement mis Fnatic dans les on bonnes peut le conditions. Repasser tout de suite, d'ailleurs. Ouais. Bah, donc c'est un TP défensif de Caps qui vient donc soutenir Wipo. Wipo qui de base de toute façon était pas mal et je pense serait pas mort dans tous les cas sur ce dive, mais le TP de Caps qui permet de prendre le kill. Je sais pas trop pourquoi ils ont tenté ça. On en parlait. De base, c'est une tentative qui est très risquée. Face à un Horn qui est derrière sa tour, et en plus de ça, ils ont, enfin, ouais, ils ont super, pas ils comme ont super si mal ils ont le truc, quoi. Parfaitement micro-géré la situation, ça c'est clair. G-Rex n'aurait rien pu faire ici, selon vous, même avec la compo qu'ils ont. Si avec la compo, il y a des choses à faire. C'est l'action précédente. Oui. C'est plus, ce serait quand même ambitieux de dire qu'on peut rien faire avec une compo comme ça. Si. Je pense qu'ils ont pas très bien activé leurs conditions de victoire, le Shen. Fnatic, ouais, je voulais. Mais... Je dirais que le Shen avec c'est difficile pour moi de build une wave et d'aller tower dive un horn. Je pense que leur condition de victoire, elle n'était pas de break par le top. Mais c'est un peu ça le souci, c'est qu'en fait quand tu regardes G-Rex, ils peuvent faire qu'un gros setup all in avec le Shen qui follow et break une tour à partir du moment où tout le monde est niveau 6. Mais avant ça, il y a aucune pression naturelle sur leur lane, puisque Sivir Brom va complètement contenir la Kai'Sa Thresh. Et donc bah forcément Fnatic scale. Et il y a urgence à intervenir pour G-Rex qui doit faire un Galio oui. play pour ouvrir la map. Et en fait, dès que le dive a pas réussi, derrière Fnatic fait un play sur le bot et puis la game était perdue. Il y a eu pas mal de situations de fight quand même, notamment dans la jungle top des G-Rex autour du bleu où ils ont réussi un peu à résister. Maintenant, bon, Illisang a tenté... Illisang, toujours quelques doutes de mon côté. Je trouve toujours que parfois il va un peu trop loin par rapport à ce que son équipe peut fournir. Et pourtant, Fnatic est vraiment une équipe hyper généreuse en fight. Quel monde de trolls. Mais Fnatic est vraiment une équipe hyper généreuse en fight. Mais parfois, Illisang est beaucoup plus généreux que ses coéquipiers. À un point où on s'en je est presque. Il s'améliore quand même parfois. Oui, non, mais, et on sait ce que ça peut donner quand il est on point. Mais tu vois. Il y a quand même certains moments où il est allé un peu trop deep là, et j'aimerais bien qu'il ait juste, enfin, qu'il sache rester mesuré, même s'il rentre dans la folie Fnatic. Ils ont fini leur match retour, leur match aller pardon, Fnatic. Du coup, ici, à voir comment ils s'en sortiront au match retour contre les équipes qu'ils ont déjà rencontrées. Du coup, ils sont à 2-2.
Si je raconte 2-1. Si tu joues 3 matchs par phase. Absolument. 2-1. Donc pour Fnatic ici, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour Team Liquid contre Mad Team. À tout de suite.